Bienvenue à une émission en français avec une brève introduction en néerlandais. Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. In het noorden van Frankrijk hebben heel wat culinaire ingrediënten van tomaat, look, appel tot worst hun eigen feestdag. Zo ook de chicorée. Rond het derde weekend van oktober moet je in en om Saint-Vulcain zijn voor la fête de chicorée. Maar wat is dat nu precies, chicorée? Michel Hermand, président de l'association des racines et des hommes et organisatrice avec beaucoup d'autres bénévoles de la fête de la chicorée. Pour ceux qui ne le savent pas, la chicorée, c'est une racine. Et beaucoup de personnes ont tendance à dire « Ah oui, la chicorée, ben c'est le chicon ». Ben non, c'est pas le chicon, c'est autre chose. C'est la même famille de plantes, mais la chicorée à café, c'est différent de la chicorée qui produit le chicon. Le chicon, ben, on est intéressé par le feuillage, alors que pour la chicorée à café, on est intéressé par la racine. Donc la racine, c'est une plante qui pousse sur 2 années. Elle est bisannuelle et quand on la fait pousser, on récupère la racine au bout de la première année. On ne la laisse pas en terre, on ne la laisse pas fleurir. Et donc, une fois qu'elle a été récoltée, la racine, elle est lavée, nettoyée, coupée en rondelles, séchée. Et quand elle est séchée, c'est ça qu'on appelle les cossettes de chicorée. Et ensuite, les cossettes de chicorée sont envoyées chez un torréfacteur. Ici, en France, il y a 2 torréfacteurs. Il y a un très connu à Orchy qui s'appelle Leroux, la société Leroux. Et puis, il y a un petit torréfacteur familial, Vincent Lutin, ici à Ouaplage, sur le secteur. Pourquoi la chicorée dans notre secteur? Eh bien, parce qu'ici, dans le secteur, les terres sont légères, elles sont assez sablonneuses, et c'est important pour la racine de chicorée. Parce que du fait que la terre, elle est souple et légère, la racine, elle pousse bien droit, et c'est ce qu'on cherche à avoir, une belle racine bien droite, et facile à arracher quand c'est le moment de la prendre pour la transformer en cossette de chicorée. Et cette région favorable à la culture de la chicorée, ça s'étend, on va dire, de Calais à Saint-Omer et Dunkerque. Donc ça fait un grand triangle qui correspond à peu près au delta de l'Aa. Parce qu'avant, l'Aa, la mer allait jusqu'à Saint-Omer, il y a très très longtemps. Et donc voilà, donc c'est des restes de cette époque où la mer était ici sur le secteur et donc les terres sont assez bonnes. Il y a aussi de la chicorée en Belgique parce que les terres, c'est à peu près la même chose avec, je crois que c'est l'Isère qui arrive pas très loin de chez nous et qui se jette dans la mer en Belgique. Ben là, c'est un peu la même chose. Les terres sont favorables à la culture de la chicorée. À la sécherie, on a ce qu'on appelle, nous, la maison des Belges. Alors, pourquoi la maison des Belges? Bien parce qu'à l'époque, dans les années 50-60, les sécheurs étaient essentiellement belges. Ils venaient d'abord parce qu'ils avaient un savoir-faire, qu'en Belgique, il y avait des pénuries de travail à l'époque, et que ces personnes qui étaient... par exemple, maçon, je pense à Albert Zupen en particulier, en hiver, il y avait moins de travail. Et donc, de ce fait-là, il venait en France pour faire les campagnes de chicorée, de betterave, comme saisonnier. Et donc, la sécherie, c'était un endroit particulier parce qu'une fois que la campagne était démarrée, ça se faisait généralement en septembre, on allumait les feux et les feux continuaient à fonctionner en continu, jour et nuit, jusqu'à la fin de la campagne, ce qui amenait les sécheurs à rester jusqu'à décembre ou début janvier, selon les années. Et donc, comme ça tournait 24 heures sur 24, ils habitaient sur place, ils quittaient leur famille, les femmes et les enfants restaient en Belgique. Eux venaient ici en France, ils étaient logés par l'agriculteur qui les employait dans ce qu'on appelait la maison des Belges, juste à côté, enfin c'était attenant à la sécherie. Et comme ça, ils étaient souvent, selon la taille des sécheries, ils pouvaient être de 2 à 5, 6, hein, ça dépendait de la taille de la sécherie. Ici, à Vieille Église, ils étaient 2 ou 3, et donc ils travaillaient par poste, ils se relayaient pour entretenir les feux, charger les platines et remplir le magasin à cossettes.
Et quand les Belges arrivaient, le fermier généralement tuait le cochon, on mettait le cochon au saloir et ainsi les sécheurs belges avaient leur viande jusqu'à la fin de la campagne.